invités qui vont éclairer à partir de leur point de vue situer cette thématique. Je vais peut-être commencer par Luc Horvath. Voilà. Et je te présente en quelques mots. Donc Luc Horvath est d'abord un ancien enseignant de prison, de détenu de prison, et il a été exclu dès la prison, sans doute parce que son travail devait être trop conséquent, trop sérieux, peut-être visant trop l'émancipation, en tout cas voilà. Il a écrit un livre récemment, je ne connais pas la date exactement, intitulé « Guantanamo chez nous ». Il est l'un des responsables et même cheville ouvrière du comité Friali Arras, dont il va vous parler. Et plus généralement, il va nous parler des conséquences et des répercussions des politiques antiterroristes sur le monde carcéral et les luttes politiques. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Comme Véronique a dit, je suis un ancien enseignant, c'est-à-dire que j'étais exclu de mon job. Je donnais tout simplement des cours de langue à Bruxelles, c'est-à-dire en néerlandais, le seul endroit en Belgique où c'est peut-être utile de connaître les deux langues pour avoir un job. Ça, c'est pour les Français que je dis ça. Donc, et je dois dire que ça me fait rire quand j'entends certains démocrates dire à des manifestations « Oui, mais les services secrets n'ont pas été efficaces, ils auraient pu arrêter les auteurs des attentats avant, mais ils n'ont pas fait, il y a des failles, le système ne fonctionne pas bien. » Eh bien, je peux vous dire sur base de mon expérience ces dernières 15 années, que les services secrets et les services antiterroristes travaillent très très bien. Et ou bien ces gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé ces dernières 10-15 années, ou bien ils font semblant, mais un des deux. Donc je trouve que ce qu'on a vécu, je pense aussi bien en France, mais moi je peux témoigner de ce qui s'est passé en Belgique, c'est qu'on a eu une création du vide. Moi j'appelle ça comme ça, autour des personnes accusées, inculpées de terrorisme. Et donc, ils ont essayé d'exclure des personnes, par exemple moi en prison, un autre d'une association, une autre personne de sa fonction à la radio, etc. Et donc on peut dire que par exemple, oui, mais c'est normal parce que les prisons c'est délicat, c'est dangereux. Et bien maintenant, aujourd'hui, 2015, les exclusions commencent aussi bien à la STIP, dans le jardinage, quand tu es jardinier à Skarbek, un gardien ou une personne qui assure la sécurité au palais de justice et qui doit tout simplement prendre l'ascenseur avec des détenus au premier étage, ben, il ne peut plus parce qu'il porte une barbe et probablement il est aussi musulman et donc il ne peut plus faire ce genre de boulot, mais où on va. Donc il y a eu heureusement un arrêt de travail pour protester contre ça, mais ça, c'est pour moi la suite d'une évolution qui est déjà en cours depuis 10-15 ans. Ça peut être comme introduction que pour les gens qui suivent un peu ce qui s'est passé à ce niveau de lutte antiterroriste en Belgique, ben, ce n'est pas une surprise qui déclare maintenant, aujourd'hui, que c'est une guerre ouverte qui nous annonce. Un deuxième point, parce que Véronique a mentionné le comité Friali, il y a plein d'amis et de camarades qui sont ici et qui mènent depuis des années une lutte autour d'Ali Arras, autour de l'affaire Ali Arras, qui est un belgo-marocain originaire de Molenbeek. Et donc qui d'abord s'est trouvé en prison en Espagne sous l'accusation de terrorisme par un mandat d'arrêt international qui venait du Maroc, donc qui a souffert
en Espagne, État démocratique de l'Union européenne, mais qui pratique la torture blanche, qui a été extradé illégalement au Maroc, malgré la demande de ne pas le faire par le Comité pour les droits de l'homme à Genève, qui a été torturé à nouveau au Maroc et qui se trouve aujourd'hui toujours à la prison de haute sécurité de Salé 2. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je trouve que les mots, notre rôle, entre autres, je trouve que c'est regarder ce qui se cache derrière les mots. Donc quand on entend maintenant, c'est nous sommes en guerre pour nos valeurs, contre les barbares, contre les fascistes même, hein, on les appelle comme ça, ceux qui ont commis ces attentats. Voilà, on veut entamer un processus de déradicalisation, etc. Il faut qu'on regarde ce qui se cache derrière les mots. Et quand je lis des mots, alors je vais vous lire peut-être juste une petite citation de M. Didier Reynders, qui est le ministre des Affaires étrangères belge, et qui, à l'occasion du fait que la Belgique est maintenant élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2016-2018, alors M. Reynders il dit, où il est cité en disant que il reste dans le monde une longue route à parcourir pour les droits de l'homme. Ceci est une motivation pour engager notre pays, la Belgique, pour les droits de l'homme dans une institution de l'ONU avec un mandat global qui présente une référence cruciale pour les défenseurs des droits de l'homme partout dans le monde. Tous ceux qui ont mené la campagne à Ali Arras, ils trouvent ça tout simplement hallucinant. C'est comme si ça parle d'une autre planète. Il a récemment, il y a 3 jours, je crois, il y a 3-4 jours, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre, il a mis sur son mur Facebook. Il a de nouveau dit que c'était un des engagements principaux de notre pays, c'est cette défense des droits de l'homme. Et donc, heureusement qu'il y a eu des militants ici présents qui ont posté sur son mur et Ali Arras, point d'interrogation. Donc voilà le contraste entre les mots, les droits de l'homme et tout ce sacré dont il parle et ce que nous, on a vécu depuis 8 ans. C'est-à-dire que presque toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme, des comités de l'ONU contre la torture, des comités contre la détention arbitraire dans le monde ont déclaré noir et blanc sur papier que Ali Arras a été torturé, que ses aveux ont été extorqués sous la torture et qu'il subit toujours la maltraitance dans les prisons. Donc tous ces documents sont sur papier, on peut remplir une table avec ces documents. Et pourtant, ce ministre qui se revendique des droits de l'homme, ça fait 8 ans qu'aucune autorité belge a voulu prononcer le mot « torture » dans l'affaire Ali Arras. Pas un seul mot là-dessus. Et donc, au contraire, dans le climat actuel auquel on assiste aujourd'hui, c'est que, aussi bien le Maroc essaye de lier Ali Arras aux attentats actuels, en déclarant que, vu que Ali Arras a été accusé de trafic d'armes, que comme il y a des trafics d'armes qui maintenant ont été prouvés à l'occasion de l'affaire Charlie Hebdo, que bien sûr il doit y avoir un lien entre l'affaire Ali Arras et cet autre trafic d'armes. Monsieur Reynders, quand il revient d'une conférence pour combattre ISIS en Irak, donc il dit que dans l'affaire Ali Arras, il faut faire attention parce que je reviens d'une conférence pour la guerre contre ISIS et donc vous voyez, donc ils essayent donc de faire des associations qui prouveraient la culpabilité et s'opposent à une demande de liberté qui est là depuis quelques années des organisations onusiennes. Donc, je trouve que ça, c'est peut-être notre premier rôle, c'est voir ce qui se cache derrière les mots.
Et bon, on en a déjà parlé, je ne vais pas répéter. Donc, quand on parle de nos valeurs, je me demande, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez surtout dire que vous devez défendre les valeurs de l'Occident contre les autres. Vous voulez dire que une maman en Afrique, elle n'a pas les mêmes valeurs qu'une maman ici. C'est ça ce que vous voulez dire? Est-ce que si on creuse derrière vos valeurs, est-ce qu'on ne découvre pas justement ce que j'appelle un système capitaliste mondial qui est non seulement économiquement inhumain, qui est criminel, qui est barbare, et qui, comme ça a été dit, a son expression finale dans une guerre permanente. Juste que citer l'Irak, comme Youssef l'a fait, eh bien, il y a 570 000 personnes dans la période avant la deuxième guerre contre l'Irak, c'est-à-dire pendant les années 90, qui sont morts, dont la plupart des enfants à cause de l'embargo. Il y a au moins 500 000 personnes qui ont perdu la vie dans la guerre qui a été déclenchée en 2003. Ça fait 1 million de personnes. Et c'est des estimations les plus basses. Et vous parlez de valeurs. Donc, creusons ce qu'ils veulent dire vraiment à ce niveau-là. J'ai encore préparé beaucoup, mais je crois que je vais me limiter à quelques idées encore. Moi, je pense, quand j'ai parlé de la guantanamisation, je trouve qu'il y a vraiment une globalisation du modèle américain dans le monde qui est en train de se faire. Et 2015, c'est vraiment un fameux pas en avant à ce niveau-là. On voit ça dans différents éléments. D'abord, quand on parle de guerre, il faut se réaliser que cette idée, elle vient des États-Unis parce qu'elle a été lancée à un certain moment par Nixon et par Reagan et d'autres quand ils ont commencé à parler sur the war on crime, the war on drugs, maintenant c'est la war on terror. Donc on utilise le terme guerre pour, comme réponse à tous les problèmes politiques, tous les problèmes sociaux qui se posent dans le monde. Donc c'est une manière de voir les choses qui crée donc, qui est une expression violente. Et donc, cette idée-là, elle vient directement des États-Unis et elle s'implante de plus en plus chez nous quand on entend les déclarations, aussi bien en France qu'en Belgique, que donc on est en guerre. On ne résout plus les problèmes par la justice ou par des opérations de police, par exemple. Non, on va les résoudre de manière militaire. Et là, on entre dans un autre stade. Là, il n'y a plus moyen de discuter, d'argumenter, de parler de police de proximité, etc. Donc tout ça, c'est un chapitre passé. Donc ce qui est intéressant à ce niveau-là, et je vais peut-être encore mentionner deux points et je vais m'arrêter, c'est que... Aux États-Unis, on a eu l'introduction de ce qu'on appelait des SWAT teams. Les SWAT teams, c'est la militarisation de la police, c'est l'entrée de l'armée à l'intérieur du pays. Donc, cette création date de 1969, où on a créé des teams spéciaux pour faire des interventions armées à la militaire. Et donc, si au début, on a connu, dans les années 80, on a connu 3 000 interventions de ces SWAT teams. Donc, ça s'appelle en fait Special Weapons and Tactics Teams. Donc, c'est des teams de police, disons, militaires, qui interviennent. Maintenant, on est déjà, 2015, on est déjà à 50 000 de ce genre d'intervention par ces unités. Et donc, ce qu'on nous annonce maintenant en Belgique, par exemple, je parlais de Belgique, donc Yambon a dit, dans chaque grande ville des unités antiterroristes,
À Anvers, on va acheter des armes qu'on n'a jamais connues, qui n'ont jamais été utilisées par la police jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit donc les gilets pare-balles, on voit la police armée comme des militaires dans les rues, on voit l'armée dans les rues, camions, etc. Donc cette militarisation, elle est vraiment d'inspiration de ce que moi j'appelle le fascisme moderne qui règne aux États-Unis. Donc c'est une chose. Et peut-être pour finir, parce que Malika a fait un appel pour vers où il faut aller et dans quelles alliances il faut se diriger. Je trouve que le comité Free Ali, pour moi, c'est un exemple d'une alliance qui tient depuis longtemps, qui fait une action d'ailleurs le mardi prochain contre Renders, auquel je vous invite tous, donc le mardi prochain devant un hôtel avec un nom terrible, Radisson Blue Hotel. Ça fait peut-être tiquer quelques-uns, mais donc là, on va se retrouver tous. Et je trouve que c'est une action concrète dans le climat actuel, une action de riposte. C'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a des expériences intéressantes qui se sont faites, comme par exemple celle-ci. C'est une rencontre entre le vécu en Irlande du Nord avec des détenus, des familles de détenus musulmans en Grande-Bretagne, pour échanger des expériences sur ce que cette communauté catholique liée à l'IRA a vécu, comme ce qu'on appelait la politique d'internement, etc., et ce que la communauté musulmane en Grande-Bretagne a vécu. C'est très riche et c'est très inspirant. Pour se donner des perspectives, vous en avez certainement beaucoup d'autres. Ce qui m'a frappé en lisant ceci, c'est qu'ils ont dit qu'en déclenchant ces mesures qui sont similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on a connu en Irlande du Nord ou en Grande-Bretagne, un des problèmes majeurs, c'est la question de l'isolement et l'installation d'une peur même au sein des communautés. Donc, d'avoir des contacts, de soutenir quelqu'un qui est accusé de terrorisme ou de radicalisation, etc. Vous savez ce que je veux dire. Donc, la question de la peur et de l'isolement, toutes ces deux communautés parlent de ça, de leur vécu. Et je pense que c'est un appel urgent, je pense, à nous tous, de lutter en étant conscients de ce phénomène. Que notre lutte doit être large, doit s'ouvrir et doit essayer d'impliquer autant de personnes et de tendances possibles. Et à la fin, je voulais juste dire qu'il faut s'opposer à l'idée qu'il faut une déradicalisation et qu'on entre dans cette logique. Il ne faut pas marcher là-dedans. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de criminaliser toute idée radicale contre cette société. Criminaliser toute idée d'opposition à leur politique de guerre, qui est barbare, criminelle et inhumaine. Voilà, merci. Thank you.